Alors oui, si je vous parle d'une île, vous pensez sans doute à une destination paradisiaque, le soleil, la plage, les palmiers. Mais une île, c'est aussi un endroit coupé du reste du monde. En cas de danger, vous ne pourrez pas vous enfuir. Rapprochez-vous, vous êtes sur compte fécond, et là il sera pas question de bronzette, mais de rencontres flippantes et même clairement dangereuses. D'ailleurs, si vous partez en vacances sur une île, ou même en France, ou dans le monde, eh bien pensez à vous protéger contre les mauvaises rencontres en ligne. C'est peut-être l'occasion. Que ce soit quand vous êtes à l'hôtel, dans une gare, un aéroport, un resto, vous utilisez généralement un wifi public. Sauf que le problème, c'est que les wifi publics sont pas trop sécurisés. Vous êtes très exposé aux hackers ou même aux sites malveillants. Mais heureusement, on a une petite solution et ça s'appelle CyberGhost VPN qui sponsorise la vidéo. Et un VPN, c'est un réseau privé virtuel en français. Voilà, vous commencez peut-être à le connaître. Ce qui fait que vos données passent par l'un des 11 000 serveurs CyberGhost répartis dans 100 pays différents. Ensuite, ces serveurs protègent vos infos perso et vous rendent anonymes. Ça, c'est pratique pour vos vacances et même pour télétravailler dans un café, par exemple. En plus, CyberGhost peut faire croire que vous êtes dans un autre pays, ce qui peut être parfait pour trouver les meilleures offres en ligne. Ou même débloquer les catalogues de plus de 40 services de streaming comme Netflix, Prime, Disney+. Et vous pouvez même suivre les JO via la télé française depuis l'étranger, même sur une île à l'autre bout du monde. En plus, CyberGhost, c'est très facile d'utilisation, c'est dispo sur Mac, Windows, Android, iOS, plein d'autres appareils, comme par exemple les calculatrices Casio. Non, peut-être pas. Sachez qu'en plus, ils ne collectent pas et ils ne partagent pas vos données personnelles. Il y a déjà en plus 38 millions d'utilisateurs et une super note sur Trustpilot. Et là, autre petit avantage, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils à la fois avec un seul abonnement. En plus, pour vous protéger des mauvaises rencontres, j'ai une offre spéciale pour vous. Si vous passez par le lien en description, vous avez le droit à 83% de réduction sur CyberGhost, donc ça revient à un peu plus de 2€ par mois et 4 mois gratuits. En plus, pour plus de flexibilité, vous avez une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé. Ce qui ne nous empêchera pas de vivre les expériences qui nous attendent sur ces îles désertes, bien sûr. Enfin, désertes ou pas désertes, vous allez voir. Bref, ce qu'on verra au programme, déjà, c'est un expatrié sur une île du Cambodge qui va croiser la route d'un homme avec un terrible secret, mais aussi des ados en vacances sur une île qui vont échapper de peu à un drame. Et enfin, une suite d'événements de plus en plus étranges qui arrive à une petite fille sur les îles Marianne du Nord. Bref, on est parti. Alors, ce premier témoignage là nous vient de Red Relic. C'est un utilisateur Reddit qu'on surnomme Randy, hein, pour l'histoire. Lui, il est écossais, mais au moment des faits, il fait un tour du monde avec sa copine. Ils vont aller alors de pays en pays, Bolivie, Mexique, Japon. Et à chaque fois, il trouve des petits boulots sur place. Il reste alors quelques semaines ou quelques mois. Bref, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas fait de mauvaise rencontre. Vraiment, le voyage est idyllique. Mais en 2016, il décide d'aller faire un petit séjour sur Koh Rong Sam Loem. En fait, c'est une petite île paradisiaque du Cambodge qui est pleine d'hôtels assez luxueux. Vous voyez la gueule, c'est vrai que ça donne envie, quoi. Sympa, sympa. Bref, là, Randy et sa copine trouvent un job dans un bar et en échange, ils sont nourris et logés. Donc, bénef. Là, le géant prévient tout de suite Randy qu'un homme surnommé Dog viendra probablement le voir. C'est un client régulier qui vit dans une tente sur l'île. Il est d'origine anglaise, donc il voudra sans doute discuter avec Randy qui lui est écossais. Et en effet, Dog va pas mettre longtemps à débarquer. Alors quand on le voit, il dit il a 55 ans, il est assez grand, large carrure. Dog se présente. On rigole bien ensemble, on se moque gentiment de nos origines écossaises et anglaises. Je remarque qu'il porte un débardeur avec écrit Dog's Offshore Bar dessus, avec une image de Rottweiler à côté. Le jour d'après, Dog revient, on commence à faire connaissance, on trouve toujours des sujets de discussion. Heureusement, parce que Dog arrive tôt, généralement à 7h du matin pour sa première bière. Il est clairement alcoolique. Mais il n'a pas l'air d'être quelqu'un de méchant, il a juste l'air d'avoir un passé compliqué. Alors Dog vient toujours accompagné d'un énorme Rottweiler. Vous voyez, c'est un véritable monstre massif, musclé avec une grosse chaîne en métal. Et je parle bien du chien. Sauf qu'il est assez calme, il s'éloigne jamais de son maître. Et au fil des discussions, Randy apprend que ce chien, c'est en fait celui d'un ancien trafiquant de drogue que Dog a racheté. Et il a été dressé pour attaquer si son maître lui en donne l'ordre. D'ailleurs, Dog affirme qu'il a déjà tué plusieurs chiens de l'île comme ça, juste pour l'entraîner. Vraiment un Pokémon, quoi, du coup, on se fait les dents. Mais au début, Randy, il trouve ça trop gros, il y croit pas. Jusqu'au jour où un chien errant s'approche trop près du Rottweiler. Là, Dog donne alors l'ordre d'attaquer et le Rottweiler se jette sur le chien errant. Ils se battent dans le bar alors, ils renversent des tables et des chaises, vraiment hyper impressionnant. Et finalement, Dog rappelle son chien et l'autre réussit à s'enfuir. Il le tue pas, mais on n'était pas loin. Du coup, à partir de là, Randy est terrifié par la scène. Bref, quelques jours plus tard, Randy et Dog boivent un dernier verre avant la fermeture du bar. Sauf qu'il est tard et Dog est complètement bourré, et la copine de Randy les rejoint. On parle de site internet, mais on n'est pas d'accord. Dog dit que je crois tout ce que je lis sur internet et que je devrais faire plus attention. Selon lui, les gens publient toutes sortes de conneries et de mensonges. Je lui demande à quoi il pense quand il dit ça. Il me répond juste « Ne me cherche jamais sur Google ». Je ne réalise pas tout de suite qu'il ne plaisante pas. Je me souviens alors du texte sur les t-shirts qu'il porte souvent, Dog's Offshore Bar.
Je tape ça sur internet pour rigoler. Bon, Dog est de plus en plus nerveux. Là, Randy commence à lire à voix haute les infos qu'il trouve. Voilà, un peu pour déconner, voilà, il le taquine quoi. Et apparemment, Dog aurait ouvert un bar aux Philippines nommé Dog's Offshore Bar, qui datait d'il y a quelques années. Puis, à mesure qu'il lit, tout à coup, il tombe sur un article qui parle là d'une condamnation. À ce moment-là, Randy ne rigole plus du tout. Et en lisant ça, il découvre que Dog a été accusé d'avoir assassiné sa femme, une Thaïlandaise, en la poignardant. En plus, on a les images du coup authentiques du truc. Voilà. À partir de là, il aurait été placé en détention provisoire, puis libéré sous caution. Et il se serait alors enfui du pays avant son procès. Bon, à partir de là, bah, comme Dog est juste à côté, il se défend tout de suite et il commence à raconter qu'il avait été piégé par l'ex de sa femme, dit que l'ex était un policier qui avait voulu se venger, etc. Bon, là, Randy fait semblant de croire tout ce que dit Dog et il raconte même que ouais, il est d'accord avec lui, quoi. En même temps, en disant ça, il s'approche quand même doucement d'une machette. C'est celle qui sert d'habitude pour ouvrir des noix de coco. Comme ça, au cas où, il peut se défendre si Dog ordonne à son Rottweiler d'attaquer. Au cas où, il voudrait faire supprimer les traces. On sait pas. Dog continue de se faire passer pour une victime. Il nous raconte à quel point c'est difficile d'être un homme blanc dans une prison thaïlandaise. Il raconte qu'il a été battu par des gardes, qu'il a été placé en cellule d'isolement. Il le mettait soi-disant dans la cour avec des détenus dangereux pour qu'il l'agresse. Finalement, il nous avoue qu'il a effectivement tué avant d'aller en prison et qu'il a retué une fois emprisonné, mais qu'il n'a pas tué sa femme. Dog continue à nous raconter sa vie comme s'il avait vraiment besoin de parler. Et donc apparemment, Dog, comme pour se décharger, il dit qu'il aurait rencontré sa femme alors qu'il faisait du trafic de prostituées sur son bateau, entre Singapour et puis la Thaïlande. Bon là, autant vous dire, mais Randy et sa copine ont la peur de leur vie, et bah ils essayent de paraître pas trop affectés quoi, jusqu'à ce que finalement Dog s'en va avec son gros chien. Là, à partir de là, eux ils se dépêchent d'aller dans leur chambre. Et toute la nuit, Randy va rester près de la porte, il va même poser une poubelle devant pour que le bruit puisse les alerter au cas où bah l'autre défonce la porte pour essayer de les buter quoi. Et là il est persuadé que Dog va finir par revenir avec son chien pour les attaquer. Sauf qu'heureusement, le matin se lève sans qu'il ne se passe rien. Quelques jours plus tard, Randy et sa copine quittent l'île. Mais avant de partir, eh bien du coup, la copine de Randy a quand même pu voir Dog une seule fois. Et c'était alors qu'elle était au resto-bar, là où il va d'habitude, et qu'elle était en train d'ouvrir une boîte de conserve. Là, à partir de là, il était venu la voir, voyant qu'elle galérait avec sa boîte de conserve, en lui demandant si elle avait besoin d'un couteau pour l'aider, avec un petit air menaçant. En tout cas, il s'est rien passé de plus que ça. Mais en faisant d'autres recherches, ils ont découvert que Dog, c'était Mix the Pomme ou même Mix the Dog. Sachant que son vrai nom serait Michael Taylor. D'ailleurs, à l'heure actuelle, semblerait qu'il ait été retrouvé et arrêté aux Philippines. Mais on n'a pas plus d'infos. En tout cas, bon, si Randy et sa copine ont quand même bien réagi et qu'il leur est rien arrivé, eh bien ce sera tout l'inverse de la prochaine histoire. Cette deuxième histoire est racontée par Octopus Grapp sur Reddit. Voilà, c'est un étudiant américain de 20 ans qu'on va renommer Oscar. Ça rime, voilà. Là, ça se passe en début 2016 et il part en vacances avec sa famille et son pote Vince. Ils vont alors passer quelques jours à Sainte-Lucie. Vous voyez, Sainte-Lucie sur la map, c'est une petite île qui est proche des Caraïbes. Vraiment charmant comme tout. Au début des vacances, tout se passe bien. Ils sont dans un hôtel plutôt chic. Ils font des activités de touristes de base. Bref, ils profitent. Pas la folie, quoi. Mais bon, Oscar et son pote Vince s'ennuient un petit peu. En fait, ils ont envie de faire la fête, de... Voilà, un petit peu de s'électriser, quoi. Ils vont pas être déçus. Et puis un soir, en buvant un verre au bar, là, ils discutent avec le barman appelé Gustavo. Il a l'air sympa et ils finissent d'ailleurs par lui demander s'il connaît des boîtes de nuit ou des endroits pour s'amuser. Là, Gustavo leur explique qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant autour de l'hôtel. D'ailleurs, il leur propose plutôt de les inviter chez lui un autre jour pour faire une petite soirée. On lui dit qu'on est intéressé et je lui file mon numéro pour communiquer. Le lendemain, on reçoit un message en milieu de journée. Gustavo nous dit qu'un bateau vient d'arriver pour nous amener chez lui. Avec Vince, on est un peu déstabilisé. On n'a jamais convenu d'un horaire et on ne peut pas partir pendant la journée. Mes parents ne nous autoriseront jamais à y aller. On lui répond que ce n'est pas possible et Gustavo semble assez énervé. Le lendemain, il nous ignore à chaque fois qu'on croise. Et puis, le jour encore d'après, Gustavo leur propose alors de venir chez lui le soir même. Sachant qu'il leur dit qu'il y aura de la pizza, des filles de leur âge. Il leur promet même d'autres trucs sympas. Là, Oscar et Vince, ils font yes et ils acceptent. Par contre, Gustavo leur fait comprendre que c'est leur dernière chance. Et qu'il n'y a pas intérêt à ce que du coup, ils se désistent au dernier moment, quoi. Bref, la journée passe et puis la famille d'Oscar va alors se coucher et le bar ferme. À partir de là, Oscar et Vince sont les seuls sur la plage qui n'est quasiment pas éclairé. Et puis vers 23h, le téléphone sonne et c'est Gustavo. Il envoie alors un gars les chercher en bateau. Alors, Gustavo leur précise que le mec qui vient les chercher, c'est un gars sympa, mais voilà, sale caractère. Et c'est un gars plutôt pressé, donc faut pas l'énerver.
En plus de ça, Gustavo leur demande de payer environ 100$ plus un pourboire. Et tout ça, Gustavo le dit au téléphone avec une voix plutôt basse, ce qui fait quand même clairement froid dans le dos. Bon, là, à partir de là, Oscar et Vince réalisent que c'est peut-être une mauvaise idée d'y aller, et du coup, ils décident d'attendre le bateau et de donner 100$ au type en lui disant qu'ils annulent tout. Là, quelques minutes plus tard, Gustavo rappelle. Il dit que si le gars ne les voit pas au quai, il ira toquer à la chambre 17. Sauf que la chambre 17 est celle où mes parents dorment. C'est la catastrophe. Vince flippe tellement qu'il a envie de vomir. J'essaie de rester calme et de réfléchir. Je décide de planquer nos téléphones et nos portefeuilles, au cas où on se fait agresser. La plage est au pied d'une falaise, on n'a aucun endroit où courir ou se cacher facilement. Peu de temps après, Gustavo appelle encore. Il nous dit qu'il y a finalement 3 bateaux qui arrivent et qu'il faudra monter directement à bord. C'est vraiment la merde, on est foutus. Ce sera le kidnapping parfait. Faut vous le dire, Oscar et Vince, c'est deux jeunes maigrichons, sans défense, qui n'ont dit à personne où ils allaient. Vraiment pas la bonne chose à faire, quoi, quand même. En plus, ils viennent de familles aisées, donc c'est la cible idéale pour servir de rançon ou même être racketté. Et là, bah, tout à coup, ils aperçoivent un agent de sécurité de l'hôtel qui fait une ronde sur la plage. Ils se précipitent alors vers lui et en expliquant ce qui leur arrive. Comme ça, bah, s'ils sont kidnappés, il y aura au moins une personne au courant. Bon, là, l'agent les rassure et leur conseille quand même de rentrer. Ce qui fait que bon, ils vont marcher, mais à peine 100 mètres plus tard, ils reçoivent un SMS effrayant. Et ce SMS dit, vous venez de parler à la sécurité. Oscar et Vince sont terrifiés et ils restent figés pendant quelques secondes. Puis ils répondent qu'ils ont juste discuté avec un agent et qu'ils rentrent parce que c'est trop tard. Bon là, Gustavo envoie un nouveau SMS et il dit « Ne vous inquiétez pas, haha ». Mais là, Oscar, il insiste « Non mais c'est mort, je viens pas, je vais aller me coucher, ok ?» Gustavo renvoie la même réponse de nouveau « Ne vous inquiétez pas, haha », encore une fois. Là, à ce moment-là, Oscar et Vince, ils disent « Wow, c'est vraiment trop louche » et ils courent vers l'hôtel. Et là, sur les toits, bah, Vince est persuadé à un moment de voir des mains qui sont agrippées au bord d'un toit. Là, il pointe alors la lampe de son téléphone vers les mains, sauf que, bah, il n'y a rien du tout. Ou elles ont disparu, en tout cas. Et donc, pendant plusieurs heures, il reste assis dans un coin, prêt à hurler pour réveiller la famille ou à se battre pour leur survie, si besoin. Et à un moment, bah, ils disent que c'est bon, c'est terminé, et là, ils vont aller dormir. Et heureusement, le lendemain, ils doivent quitter l'hôtel. Et en attendant de partir, bah Oscar et Vince retournent une dernière fois sur la plage. Et c'est alors que deux grands habitants de l'île s'approchent d'eux. Hey, vous êtes les gars qui étaient censés être sur le bateau hier soir. Vous savez, Gustavo. Bon là, Oscar, il fait genre, il sait pas de quoi il parle. Non, c'est pas nous. Vous restez combien de temps encore ? Là, bon, Oscar répond qu'ils sont sur le point de partir. Bon, là, les deux gars, les habitants, le regardent. Un peu mystérieux, un peu bizarre. Et puis, ils s'éloignent, finalement. Là, Oscar et Vince sont restés encore une heure sur place. En fait, ils avaient l'impression que tous les employés du coin les observaient et parlaient d'eux. Là, ils étaient un peu en mode psychotique, quoi. Comme si tous ces gens étaient complices de Gustavo. Et Oscar ne s'est senti qu'en sécurité que lorsqu'ils avaient fait une heure de route. Sinon, avant, il était un peu balisé, quoi. D'ailleurs, il n'a jamais raconté ce qui s'est passé à ses parents. D'ailleurs, depuis, il est devenu quand même vachement plus méfiant. En tout cas, je vous ai réservé le dernier témoignage avec une histoire qui va aller beaucoup plus loin dans le temps comme dans l'extrême. Alors pour ce dernier récit, l'auteur s'appelle Champagne Bambi, là qu'on a renommé en Candice pour une meilleure immersion, voilà. Et l'histoire pour elle commence au début des années 2000, quand Candice est encore à l'école primaire. Elle a alors deux petites sœurs, et son père vient des États-Unis et sa mère des Philippines. Mais elle est née aux îles Mariannes du Nord. C'est des petites îles dans l'océan Pacifique, regardez sur la map, c'est ici. C'est quand même un peu paumé, j'avoue. Bon là, Candice et ses sœurs sont même un petit peu connues, car elles apparaissent souvent dans le journal local. Par exemple pour des pièces de théâtre, à l'école, du piano, des festivals. Et son père aussi est assez connu. Et des habitants viennent souvent lui demander des conseils financiers. Bref, tout le monde l'aime bien. Pourtant, un jour en 2002, eh bien quelqu'un rentre dans leur maison et vole le portefeuille du père. Maintenant, c'est pas très compliqué en plus, car la porte est jamais fermée à clé. Normalement, dans ce genre d'endroit, il n'y a pas de problème de sécurité. Le quartier, il est sûr. D'ailleurs, le père de Candice ne prend même pas le vol au sérieux. Et il continue après ça de laisser la porte ouverte. On va pas s'alarmer juste pour ça. Sauf que un an plus tard, un autre cambriolage a lieu. Et cette fois, bah, l'une des petites sœurs de Candice est présente. Elle s'appelle Stéphanie et elle a 4 ans au moment du cambriolage. D'après ce qu'on m'a raconté, Stéphanie était seule dans le salon. La porte s'est ouverte et un homme étrange est entré. Il a volé le portefeuille de mon père et il est reparti. Notre femme de ménage a entendu la porte d'entrée claquer, alors elle est venue vérifier. Elle a trouvé Stéphanie face au mur, en train de regarder dans le vide. La femme de ménage a demandé si c'était elle qui avait ouvert la porte. Stéphanie n'a pas répondu, elle s'est juste mise à pointer du doigt une armoire. Là, bah, la femme de ménage va voir ça, et elle réalise alors que le portefeuille a disparu, et elle appelle alors la police. Et là, cet événement cache en fait un secret qui concerne directement Candice, mais elle ne le découvrira que dans très longtemps.
Là, quelques mois plus tard, la famille de Candice déménage dans une résidence sécurisée. Et cette fois, les parents se mettent à systématiquement fermer la porte à clé. C'est quand même plus sûr, quoi. En tout cas, ils sont toujours sur l'île Marianne du Nord. En parallèle, Stéphanie commence alors à changer. Elle devient plus calme, plus sérieuse, plus exigeante, quoi. Alors, elle est gentille avec ses amis, mais petit souci, c'est qu'elle a un comportement odieux avec la famille. En fait, si les choses ne se passent pas comme elle veut, elle pleure, elle fait une scène. Bref, enfant un peu gâté, quoi. D'ailleurs, les parents la traitent différemment. Ils sont plus cool avec elle. Et bah, ça rend Candice assez jalouse. Et elle comprend pas. Pourquoi sa petite sœur, elle a un traitement différent? C'est quoi tous ces changements? Elle comprend pas, quoi. Jusqu'à ce que, enfin, la famille déménage aux États-Unis quelques années plus tard. Et puis là, Stéphanie semble redevenir normale, un peu comme avant. Elle est à nouveau proche de Candice, elle est gentille avec tout le monde, même sa famille. Mais un soir, toute la famille va voir un film au cinéma, et là, la grand-mère appelle pour dire que la maison vient d'être cambriolée. Ce qui fait que du jour au lendemain, Stéphanie change à nouveau de comportement, elle redevient grossière, émotive et capricieuse, à cause de ce cambriolage, même si ça n'a pas de lien. Stéphanie s'acharne sur moi, elle me dit que je suis trop négligente, trop paresseuse. Honnêtement, je me dis que c'est juste parce qu'elle entre dans l'adolescence. Mais son comportement odieux envers moi continue pourtant pendant des années. Un jour, on retrouve par hasard des vidéos de notre enfance. Elles datent de quand on était toute petite, avant les premiers cambriolages. Et sur les vidéos, je vois à quel point Stéphanie est différente. On la voit sourire, poser plein de questions, me serrer dans ses bras, me demander de jouer avec elle. C'est l'un des moments les plus déroutants de toute ma vie. Je comprends qu'il s'est vraiment passé quelque chose entre ces vieilles vidéos et aujourd'hui. J'y pense toute la nuit et je pleure beaucoup. Mais c'est en discutant plus tard avec sa tante que Candice va découvrir la vérité. À ce moment-là, en fait, Candice est en train de se plaindre auprès d'elle du traitement injuste de ses parents. Par exemple, eux, ils lui reprochent de porter des tenues trop légères, alors qu'ils ne disent rien à ses petites sœurs. Ils lui mettent plus de pression pour ses études, alors que ses petites sœurs, toujours pas. Et c'est à ce moment-là alors que la tante de Candice va alors lui révéler ce qui s'est vraiment passé quand elle habitait encore sur les îles Marianne du Nord. Parce que avant le deuxième vol de portefeuille, eh bien des autochtones de l'île, donc des locaux, sont allés voir le père de Candice. Et là, il faut savoir que les autochtones et les non-autochtones ne se fréquentent jamais en temps normal. Vraiment, c'est deux mondes différents. Et là, eux, ils sont rentrés dans le bureau du père et ils l'ont mis en garde contre un homme. Parce que cet homme était obsédé par les filles du père. Il n'arrêtait pas de parler d'elles dans le village où il était. En l'occurrence, donc Candice, Stéphanie et la petite dernière. Alors que cet homme avait juste vu une photo d'elle dans un article de presse. Et depuis, il était persuadé que Candice était une réincarnation de sa propre fille. Bon là, le père de Candice ne les a pas pris au sérieux et ça l'a pas non plus spécialement inquiété. Sauf que une semaine après, c'est là où il se faisait voler son portefeuille. Toute ma vie, on m'a raconté qu'il ne s'était rien passé de grave, mais ma tante me révèle alors la vraie version des faits. Et la voici. Un homme grand et costaud entre dans notre maison. Son teint est hâlé et son visage est ridé. Il aperçoit Stéphanie dans le salon, qui est figée de peur. L'homme prend le portefeuille de mon père, puis il s'approche de ma sœur et il s'agenouille devant elle. Il lui touche le visage en disant doucement un truc du genre « T'as de la chance d'être ici et pas ta sœur aînée, sinon je l'aurais emmenée loin de toi et de ta famille. » Tout ça en la regardant fixement, les yeux écarquillés et en souriant de plus en plus. L'homme s'est ensuite levé et il est sorti, mais tout en continuant de la fixer avec la même expression. Et suite à ça, Stéphanie a dû être suivie par un psy pour enfants. Et puis enfin, quelques années plus tard, le père apprend que quelqu'un s'est introduit dans leur nouvelle résidence sécurisée avec un appareil photo. Ce qui explique pourquoi ils ont soudainement déménagé aux États-Unis. Et ce qui explique aussi pourquoi ses parents ont été spécialement stricts avec elle. En fait, elle n'avait pas le droit de sortir avec ses amis, sauf si un adulte les accompagnait, pour éviter qu'elle se fasse emporter, quoi. Ils lui ont même interdit de s'inscrire à des universités à plus d'une heure de route, alors que ses sœurs n'avaient pas du tout ces restrictions. Mais Candice comprend aussi pourquoi sa petite sœur, Stéphanie, a changé de comportement. Mais il y a un truc qu'elle ne saisit pas, et c'est pourquoi personne ne lui a jamais rien dit de tout ça. En fait, si on lui avait donné la vraie raison, elle aurait mieux vécu la situation, elle pense. Elle aurait traité sa sœur beaucoup plus gentiment. En tout cas, depuis cette révélation, Candice n'a jamais abordé le sujet avec ses parents ni même sa sœur. Donc maintenant, elle sait pourquoi ils sont traumatisés et pourquoi ils avaient déménagé pour laisser cette histoire derrière eux. Mais néanmoins, il y a encore plein de questions sans réponse. Déjà, qui c'est cet homme qu'elle n'avait jamais vu? Comment d'ailleurs cet homme a découvert où elle vivait? Et si son objectif c'était vraiment de l'enlever, pourquoi il n'a pas fait d'autres tentatives? D'ailleurs, qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est toujours en vie? D'ailleurs, est-ce que quelque part, il est toujours là, en train de penser à Candice, en s'imaginant que c'est la réincarnation de sa fille?
Eh bien voilà pour nos histoires du jour, ou de la semaine plutôt, même de la semaine. En tout cas, si vous avez déjà fait des mauvaises rencontres alors que vous étiez en vacances sur une île, n'hésitez pas à les partager en commentaire, c'est toujours intéressant de nourrir cette session-là, voilà. Merci aussi à CyberGhost d'avoir sponsorisé la vidéo, bien entendu. Je vous rappelle, c'est un moyen simple pour protéger votre vie privée, voir des contenus exclusifs, faire des économies, tout simplement. Le lien est en description, je le rappelle, vous avez une réduction grâce à moi, les infos sont là. Voilà, que dire de plus, à part que, merci d'être de plus en plus nombreux, de suivre, on vient de dépasser les 400 000 abonnés. Et voilà, très très content de continuer cette aventure avec vous, et voilà, je pense qu'il est grand temps pour nous de nous dire, je vous souhaite plein de bonheur, et à la prochaine.